Et on va tout de suite retrouver à l'Assemblée un des spécialistes de la transparence, Charles de Courson, député UDI de la Marne, au micro de Fernand Tavares. Alors évidemment, ces affaires, vous les suivez de très très près depuis de nombreuses années. Alors, on a parlé de la loi Sapin 1, voici la loi Sapin 2. Est-ce qu'elle est pleine de bonnes intentions? Est-ce que vous y croyez cette fois-ci? La loi Sapin 2 est utile puisque la loi Sapin 1, qui date de 1993, il y a 23 ans, a été un échec. Et donc, pourquoi elle a été un échec? Quand vous constatez que pendant 23 ans, pas une seule condamnation en France pour une entreprise qui aurait payé des pots de vin, ça montre qu'elle n'a pas du tout été efficace. J'ajoute que dans le classement de transparence internationale, la France n'est pas du tout bien située. Alors, dans ce qui est proposé aujourd'hui, qu'est-ce qui va dans le bon sens? Eh bien, les plans de lutte anticorruption au sein des entreprises, puisqu'elles seront obligatoires, et une agence sera créée pour lutter contre la corruption, essayer de la détecter et vérifier que ces plans sont bien mis en œuvre dans les entreprises. Et puis, il y a une autre disposition qui était très attendue, c'est une des dispositions protectrices des lanceurs d'alerte. Vous savez que les lanceurs d'alerte sont des gens qui ont le courage de dénoncer, qui est en application de la loi, hein, des choses illégales dans des versements de pots de vin et qui subissaient des pressions très fortes, voire des dégradations. Et puis, il y a une autre disposition qui ne figure pas, qui a été écartée, j'espère qu'elle ne va pas réapparaître, qui est la transaction pénale. Pourquoi c'était une mauvaise idée? Parce que la transaction pénale permettait aux entreprises qui ont versé des pots de vin de plaider coupable et de payer une indemnité. C'était légaliser la violation de la loi. Merci pour ces commentaires, Charles de Courson.